Alors, mon bon camarade de la semaine est une camarade. Vous la connaissez tous, c'est Brigitte Bardot. Ah, regardez, Brigitte Bardot, c'est elle. Ah non, c'est plus elle. Non, ça c'est... non toujours pas, non. C'est... Oh, non. Non, non, non. Bientôt, non, pas encore. Non, ça c'est José Dayan. Voilà, c'est elle, Brigitte Bardot, telle qu'on l'aime aujourd'hui. C'est vrai qu'elle ressemble plus au commandant Cruchot qu'à une gendarmette, mais elle habite quand même Saint-Tropez. Et Brigitte Bardot, qui a décidé de se porter comme tête de proue des Gilets jaunes. Ah oui, alors on se dit, merde, encore une, ça y est, c'est bon. Enfin, attention, là, c'est pas n'importe quel people, là. On n'est pas sur Bernard Ménez ou Julien Pietri. C'est du top du people. C'est même pas Jean Lassalle. Rappelez-vous, Jean Lassalle qui avait essayé, lui, un peu, mais en même temps, Jean Lassalle, on a l'habitude, lui, dès qu'il peut, il y a une taxe sur le diesel, il enfile un gilet jaune. Il y a une taxe sur le bio, il enfile une carotte. Il enfile un costume de carotte, évidemment. Il ne fait pas vraiment une carotte, encore que on peut. Même 5 fruits et légumes par jour, on peut les enfiler. C'est bon pour la santé. Brigitte Bardot, elle, en revanche, elle n'y va pas de main morte. Non, mais je vous jure, dans un entretien pour Le Parisien. Mais essayez, 5 fruits et légumes par jour. Bah. C'est très simple. Brigitte Bardot. Courgettes, concombres. Oui, bah c'est bon. Oui, on a compris, donc, on a compris. Non, mais vous, parce que vous êtes des people. Mais les vrais gens, non. Donc Brigitte Bardot, elle soutient les Gilets jaunes. Elle le dit dans Le Parisien. On peut voir cette photo magnifique. Voilà, elle est dans Le Parisien. Et elle soutient, je suis avec les Gilets jaunes, dit-elle. Alors, c'est convaincant. D'ailleurs, on voit une photo où elle est avec son chien. Regardez bien cette photo magnifique. Voilà, franchement, c'est impressionnant. Et elle est avec les Gilets jaunes. Oui, gilet jaune. Ah, le chien avait un gilet jaune. Ah, ouais. Mais oui, et pourquoi pas? Et merde. Oui, mais attends, qu'est-ce que ça peut te foutre? Non, non, mais rien. Non, donc mais elle rien. Fait ce qu'elle veut. Et donc elle porte un gilet jaune. Alors tu te dis, c'est quand même bizarre. Elle, d'habitude, c'est plutôt les pigeons, les phoques, les clébards. Donc quand elle te défend en tant que gilet jaune, tu dis, comment est-ce que je le prends? Mais attention, elle est humaniste parce qu'elle a défendu. Alors non, pas les migrants. Les migrants, elle en a rien à foutre. Les migrants, quand on lui demande son avis sur les migrants, elle dit, alors attendez, c'est très précis. On a plein de petits vieux qui n'ont rien à bouffer, qu'on s'occupe d'eux déjà. Hein, et puis tu me rajouteras un petit jaune, Jackie. Pas le gilet, le pastis, évidemment. Alors, une fois, elle avait défendu les Afghans. C'est les lévriers. Afghans, mais c'est un bon début. C'est un bon début. Voilà, alors attention, elle avait des vraies idées. Elle a d'autres propositions. Elle dit aussi, sur les gilets jaunes, vous avez d'un côté des ministres avec chauffeur, de l'autre, des gens qui ont 3 francs 6 sous. Je vais finir par devenir communiste. Ben non, quand même pas, elle précise quand même, faut pas déconner. Donc elle est sympa, mais elle était quand même avec Eric du FN il n'y a pas encore très longtemps, donc on va y aller doucement par étapes. Mais attention, elle a des propositions, des vraies propositions. Elle n'est pas là à poil. Elle dit, pourquoi ne pas donner une prime de Noël aux gilets jaunes? Elle est pas con, la meuf, t'as un gilet jaune et une prime. Tu me fais mal. Non, mais oui, mais à un moment donné, ouais, mais c'est ça, la vraie vie. Toi, il faut que t'aies été là. Soyez dedans, Raphaël. Vous n'étiez pas là. Vous n'êtes pas avec moi. Et puis, attention, elle a des vrais choix politiques. Par exemple, quand elle doit choisir un homme politique, elle dit « Je trouvais que Mélenchon avait de bonnes idées, il est végétarien. » Non, mais tu vois la logique. C'est ça que les gens qui votent Mélenchon disent « Ouais, c'est vrai, il a raison, Mélenchon, ouais, on veut plus de viande. » On n'a pas de moyen de se la payer, mais bon, c'est pas grave. Donc, on est végétarien, mais... C'est toi qui étais végétarien, moi. Non, mais tout le monde s'en fout. Il a fait un régime au quinoa. C'est peut-être pour ça que tu ne sais pas. Il y a plein de trucs que tu ne sais pas, la couleur de son slip. Parlons-en, justement. Elle, qu'est-ce qu'elle a sur le 7e art? Elle a encore un avis avisé, un avis pointu? Eh bien, oui. Quand on lui demande, qu'est-ce que vous avez pensé du grand bain? Elle répond, ah non, c'est nul, des mecs en slip dans une piscine, merci. On est vraiment entre le cercle et le masque et la plume. Mais moi, ça me plaît. Je me dis qu'une vieille femme comme ça, qui vit toute seule, à la madrague, avec ses chiens, et qui a une telle lucidité sur la vie, c'est vraiment une bonne camarade. Voilà. Merci, Julien Cazard.